Ok, ouais, donc ouais, je vais vraiment pas celui-là du coup. Ce qui est cool, c'est que ça va me débloquer. Juste là, ce saut de force, là, ça va me débloquer tellement de choses dans tous les trucs. Même le fait de passer à travers les boucliers aussi, d'ailleurs. Je suis limite inarrêtable maintenant, je fais un peu me balader partout, quoi. Point de compétence obtenu, ça, ok. Ici, ça, je l'ai toujours pas. Ça, c'est un endroit que j'ai pas découvert. Ici, ça va. Ça, c'est un endroit que j'ai pas découvert, mais j'aimerais bien aller à droite là, du coup. Voilà, c'est bien. Ouais, on va aller à droite. Allez, on y va. Restons sur nos gardes. Allez, sors, bonhomme. Ah oui, d'accord. Ton fantôme marche encore, quoi. Ok, c'est parti. Droïde sonde Viper. Les droïdes sondes Viper impériaux est une variante des droïdes sondes impériales standard. Bien qu'ils soient toujours déployés pour des missions de reconnaissance et de renseignement et qu'ils soient équipés d'une série d'appareils de collecte de données, le droïde Viper est également programmé pour se défendre violemment lorsqu'il est attaqué. Sa cadence de tir a été améliorée, son blindage extérieur renforcé. Ce droïde est également équipé de lance-grenades à concussion, ce qui en fait un défi redoutable pour quiconque tente de l'arrêter. Ok. Donc là, après, j'ai un grand passage ici. Que j'irai faire après. Je sais que dans un premier temps, on va se diriger vers les deux grandes tours là.
Même si à mon avis on pourra pas y aller. Restons sur nos gardes. Tu veux scanner un truc, je pense, BD, qui est là-haut. Parce que là et là, enfin partout, en gros, là, on peut pas y accéder. Puisqu'on n'a pas encore le truc, par contre, pour monter sur les sortes de droïdes. Là, la sorte de grappin chelou, j'imagine. C'est ce qu'ils nous fileront à terme. Une sorte de grappin. Pareil, si je longe la montagne, là, je suis pas sûr de trouver quelque chose de vraiment concluant. On va plutôt se mettre sur ça. Et on va... Quoique, je peux pas la grimper, cet endroit-là. Ouais, je pense que c'est jouable, hein. Je vais quand même essayer. Bon, allez, c'est chaud. Faudrait que j'arrive à être de là-haut, quoi, du coup. Moi, je vais serrer plus tard. Au galop. Ah, on va se diriger vers là-bas. On descend. Jambes caminoïennes. Respire. Ok, donc ici on a un petit truc là. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un monstre légendaire peut-être. Juste ça? Le sabre sérénité. Raccourci débloqué, mais raccourci vers où? La première partie du désert. Accroche-toi, BD. Ah si, ça peut être intéressant, du coup, j'y pensais pas du tout à cette partie-là. Mais oui, du coup. Oh.
Bah oui, il y a plein de trucs du coup ici. Hé hé. Alors là déjà, faut que j'arrive à remonter. Voilà, tout doux. Même pas en fait. Ok, alors c'est où? Faut que je monte là-dessus. Et c'est par là. Hop là. On va choper un peu de renforcement. Essence de santé obtenue. Hop. Ok. Je me demande depuis quand c'est là. Hop là, petit point de compétence. On mettra tout ça à bord du Mantis. Ah. Ok. Bon, sinon, en soi, sinon. Ici, on a bien l'air d'arriver, là, du coup. Mais je peux très bien essayer de voir pour remonter. Non, c'est salle de Ronville. On s'arrête un instant. Ouais, on est d'accord, je l'ai pas déverrouillé ça non plus. Je me disais bien aussi. Parce que c'était chelou qu'il y ait un truc comme ça. Un truc qu'on puisse avoir qu'en double saut. Enfin qu'avec le saut de force. Ça, Sir Task.
corne oculaire. Ok, j'ai pas compris. Pas la vache des essences, là du coup j'en récupère à blinde. Ça me permet de me renforcer à mort. Et ça c'est cool. Ok, donc tout ça c'est bon, c'est récupéré. Du coup, on a dit, ça j'irai à la fin. Là, on va plutôt aller aux salles de Ranvel. Salle de Ranvel. On bouge. Je vais passer par là et aller en dessous. Sauf que je peux pas y aller. Il va falloir qu'on passe par en dessous là. Ce qui est techniquement jouable. Juste falloir qu'on trouve comment, mais techniquement c'est jouable. Sinon pour l'autre, ouais, faut qu'on passe par là. Hop. Bonjour. Oh, calmez-vous. Je comprends pas où c'est. Ah, il faudrait que je sois au-dessus. Alors c'est possible si je passe en prenant la sorte de TP chelou là.
Comment je peux y aller dans cette putain de salle? Mais c'est une salle qui de base m'emmène où ça? Parce que j'y ai pas accès ça, à ce putain de trou là. Là, je suis dans ce machin. Moi, je vais avoir accès à ça, moi. Ok, j'y suis. Donc faut que je continue à monter. Ok, d'accord. Ok, rasé en dessous. Donc ça, c'est bon, ça y est, je l'ai eu. Cette porte-là, maintenant... Ouais, je reviens en arrière pour pouvoir y accéder. Que je me concentre. Hop. On va se reposer. On peut y aller? Donc ouais, faut que je revienne carrément en arrière du coup. Sauf si j'ai moyen de passer par là. Pas du tout, il y a un mur invisible. Donc c'est bien par là. Aussi un mur invisible, mais là ça va.
parce qu'il me faut carrément une bête en fait pour pouvoir y aller, donc tant que j'ai pas d'animal, je suis un peu baisé en fait. Et si j'ai l'animal, ça va. Et il y a une de ces bêtes. Si j'ai l'animal, ça passe. T'es sacrément grand, toi, hein. Parce que là, j'ai juste besoin de revenir, du coup, là en arrière. Continue. Doucement, doucement. Une fois ici. Faut que je trouve un moyen de monter là-haut. Ce moyen, il est tout trouvé. Ça, je sais toujours Merci pas quoi ça sert. Avoir emmené. Ce moyen, techniquement parlant, il est tout trouvé, puisque j'ai juste besoin. Ça, c'est fâché de l'avoir trouvé avant l'Empire. J'ai juste besoin techniquement de monter sur ce caillou. Et normalement. Doucement. On s'en va. Y'a pas un truc que je peux bouger pour l'amener là ? C'est sur le teco là. Super, on y va. Ah, je sais, j'ai jamais regardé moi là. Ah, ou alors je me sers de ça. Ou alors je me sers de ça. Pour pouvoir grimper. Fais attention, d'accord. Déjà, j'aimerais bien descendre. Je vois pas d'autres moyens d'accéder à cet endroit, quoi. Porte à sens unique. Si je vais par là, c'est une entrée à monstre. Ça marche pas des masses. Sautons par là. Parce qu'en sautant par là, ça peut être quelque chose aussi, hein. Les salles de Ravel, là. On prend un taxi, BD.
mais je suis pas certain de... de mon calcul. Doucement. Pas vraiment sûr et certain de mon calcul là quand même. C'est tout bon, mais quand même essayer, hein, mais. Non, je peux pas le traverser cet endroit. Il va falloir qu'on trouve un autre chemin. C'est verrouillé de l'autre côté. Et je pige absolument pas. Par où je peux y aller en dehors de ça. C'est fermé. Ouais, bah non. Tant pis. Il y a peut-être un truc genre, je sais pas, super saut de la force qu'on a peut-être pas encore et qui nous permettrait d'y aller. Je sais pas. En attendant. C'est où que je dois aller, moi? Pour le dernier truc, là, avant de rejoindre Serré. Mur du monastère. Du monastère, on va aller à gauche et puis bah après let's go rejoindre Serré, hein, du coup. Ouais, faut qu'on descende à la gauche. Ok. On va descendre. Come on.
Ah oui, non, faut que j'accède quand même en haut. Comment je fais pour regrimper déjà? Ah, faut que je revienne pour recommencer. Oh, c'est relou. C'est déjà de merde. Hop. On va faire attention avec ça. Ah, le pantalon vagabond, du coup. Ok. Bah, dommage que j'ai trouvé un truc beaucoup plus stylé, mais. Ok. Ok, alors. Du coup, voyage rapide. Donc nous, on doit aller chez Serré. Mais c'est la crête désertique qu'on avait finalisé de voyager avec machine avant qu'on trouve le point d'accès. Donc on va y retourner. On va finir à d'autres chameaux. Et on va retourner tranquillement vers Serré. De toute façon, là, si mes calculs sont ok... Là, j'ai plus rien d'autre à checker. À part le truc chez Serré, justement, là. Mais sinon, j'ai plus rien à checker, quoi. Petrificus totalus. BD, tu peux venir m'aider? Tu tiens le coup? Je pense qu'il nous aime bien. Eh bien, Myrine. Par là qu'on va. Il y aurait juste toute cette zone là à explorer encore. Ah si, on a un truc qu'on n'a pas fait là. La voie de la restauration. Merci de nous avoir emmenés. Hop, on grimpe là. Ennemi droit devant. Ah,
des Jedi. Bien joué, Jedi. Alors, certes, et à part ça. Oh, il va y avoir une énigme là. Ah. Ne soyez pas frustrés si le chemin n'est pas clair. Et nos cordes invitent les autres à le suivre dans son exploration du désert. Est un bon maître. Même un vieil homme comme moi a beaucoup à apprendre de lui. Attends, c'est que j'ai un truc à faire avec la machine à l'intérieur là ? Il n'y a rien que je puisse faire à l'intérieur. Merci sincèrement ceux qui ont emprunté ce chemin avant moi. Avec le temps, j'espère que je pourrai voir Jedha comme eux la voyaient. Cette galaxie est troublée. Nous avons besoin de la sagesse de nos prédécesseurs. Et nos Cordova s'adressent à ceux qui l'ont précédé, s'excusant d'être incapables de mieux comprendre leur coutume. Attention, je sens un danger à proximité. On les vaincra ensemble. Ah, des couleurs pour vagabond. Ok, maintenant que ça c'est... Est-ce que ça s'est rendu dedans? Non, ça n'a absolument rien changé. Alors ça par contre, ça a ouvert un truc là-bas. Sacré énigme, hein. Hop. Je crois que c'est bon. Putain, faut que je retourne là-bas pour la repousser maintenant. Ok. Donc. Hop. Je la repousse. Comme ça, elle se barre. Ensuite.
je repousse celle-là. Comme ça, ça, ça change. Et là, je la repousse. Et là, ça va jusqu'en haut. Et donc là, je retourne ici. On prend la corde qui est là. Passé ma vie entière à déterrer les mystères des effets, et à présent, une myriade de connaissances perdues m'attend. Une proposition stupéfiante. Cette galaxie est trop vaste pour un seul esprit, une seule vie. Mais c'est exaltant. Quelle joie de savoir que, lorsque mes traces disparaîtront des sables, d'autres les remplaceront. Et donc Cordova comprend mieux ses quêtes passées alors qu'il en entame une nouvelle. Ces ruines doivent être connectées. Cordova le saurait, lui. Hop, nouvelle essence. Nouvel emplacement d'avantage. Ok. Fais attention, d'accord ? Ok, tout doux. Ah mais c'est un méchant. Ok, nouvelle épreuve. Il faut épreuve de calme. Combat également, j'imagine. Ah non. Ah ok, le bleu c'est tout de suite. Sachant que bah, là, ils avancent pas du coup. Ah merde. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah merde, putain, faut que j'arrive à aller plus haut. Ah, je fais de la merde. Ah mais c'est des vaisseaux Venator. C'est stylé.
Ok. Oh la vache. Et merde. Putain. Putain. Vas-y. Oh, je fais de la merde, je vais trop vite, je fais de la merde. Bon, allez, concentration. Ils arrivent pas dans le même sens aussi, les bâtards. J'ai passé le truc vert là. Ah, ça me fait péter un plomb. Mais traverse-le, connard. Et là, tu te tournes pas. Bah, tu t'es dit que tourner, non, c'était trop... Non, ça servait à rien. Je te sais mort. Mais tourne, ta mère! Pourquoi tu tournes pas? Mais putain! Mais ta mère! Mais nique ta mère! Nique ta mère! Tu vois ta mère, tu la niques. Putain! Et prends tes grands morts. Enfin. Mais putain, mes frères.
Il va pas être débile comme ça. Okay, je vais attendre un peu. Que l'autre arrive. Ok. Là, c'est l'inconnu pour moi. Oh la vache! J'en veux chier! Wouh! J'ai réussi. Bon, y'a quoi là-bas? Ah, attends, on avait un autre truc avant. Attention, danger à proximité. On se fera mienne. C'est déjà fini? Que cherchez-vous ici, mon ami? La galaxie est en proie au chaos. Je recherche la sérénité. Nous avons donc un but commun. L'Empire a détruit ma maison. Tout ce qui me reste, c'est le peu de sagesse que je possède. Alors voyageons ensemble. La route est longue jusqu'au sanctuaire du pèlerin. Les pèlerins expliquent pourquoi ils ont fait ce long voyage vers Jeddah. C'est d'où ? Tout ça pour ça ? Ok. Ah bah salut. Mais calmez-vous, non? Je m'étonne que plus personne ne veut pèleriner chez vous, frère. Il faut se dépêcher. On peut ralentir. Ennemi droit devant. Hop là, ça c'est fait. Concentre-toi. Je me demande s'il faut posséder la force pour entrer en ces lieux saints. Les sables recèlent la sagesse de ceux qui les ont foulés il y a des siècles. Remarquable. Ce voyage valait donc la peine, mon ami. Pèlerin de Jeddah parle de rumeurs concernant la planète.
ramener ça aux archives de Ciri. Bah ici c'est ok, on va aller juste faire un tour là-haut. J'ai vu qu'il y avait un endroit qu'on n'avait pas visité du coup là-bas. Bien ici. Hop. Ok, arrête d'être teubé. Hop. Faites un peu attention, Jedi. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? J'attends une interruption des patrouilles. Je prends les antiquités de cette cache avec moi. Vous les rapportez aux archives? Non, à la ville sainte. Je vais les vendre. Les vendre? Nous n'étions pas censés prendre part à votre guerre, Jedi. Mais nous en payons le prix. Je refuse de finir comme Armias. Ces reliques devraient valoir assez de crédit pour me permettre de quitter cette planète. Écoutez, si l'Empire s'aperçoit que ces reliques proviennent d'ici, il pourrait se douter de quelque chose. Et si c'est le cas? Regarde autour de toi. L'Empire est déjà là. Et qu'est-ce qui se passera? Tu vas laisser les reliques ici. Je vais laisser les reliques ici. Ce ne sont que des babioles sans valeur. Tu ne pourras rien en tirer. Ce ne sont que des babioles. Je ne pourrai rien en tirer. Je crois que je ferai mieux de laisser tout ça ici. Pensez mieux, ouais. Prenez les codes de la porte. Faites-en ce que vous voulez. Cela m'importe peu. Très bien. Soyez simplement prudente. L'Empire est partout. Je sais. Hop, petit point de compétence. Il n'y a pas de relique à proprement parler, du coup. Moi, je vais retourner là-bas. Moi. Merci pour la balade. Là, il me faut une bébête. On accélère. Allez, bébête, fonce. Alors bébête, là on a une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte après toi bébête? On sait pas. On sait pas trop ce qu'il y a derrière cette porte bébête. C'est pas grave. Pas très grave. Parce que nous on va aller en face. Ah bébête. Attends. Allez, bébête. Un peu BD. Ralenti, voilà. Merci bébête. Ok, alors qu'est-ce qu'on a par là?
Bonne chance. Tu viens pas ? Il faut que tu fasses ça tout seul. Il faut que je fasse quoi tout seul ? Oula ! Ok, bête légendaire. C'est chaud. Climat difficile de Jedha force ses habitants à s'adapter pour survivre. Le scryton doré a poussé ce principe à l'extrême. Encore plus grand que le scryton normal déjà redoutable, ce prédateur implacable frappe plus fort, se déplace plus vite et survit plus longtemps que presque toutes les autres créatures de la planète, ce qui lui vaut une sinistre réputation. Ennemi légendaire vaincu. Nouvel avantage, indéfectible. J'ai vraiment besoin d'un steam. Ok, il n'y a rien d'autre dans cet endroit. Oh putain, on aura fait du chemin sur Jedha. Ça a été ? C'est fait. Alors si on remonte par là, on va pouvoir activer ça et en même temps on va pouvoir s'amuser à faire du parcours. Ok, hop. Oh, revisiter, nouvelle piste musicale. Très bien. Intéressant. Bah écoute, ça, ça a l'air d'être good. Comme ça, on peut aller par là.
Et puis on va pouvoir commencer à se regarder un petit peu tout ça. Alors ici on a un écho. Frère, sœur, nous avons un invité de marque. Le sage qui a instruit Maître Junda. Venez, venez Maître Cordova. Vos voyages ont dû vous épuiser. Je vais vous montrer le chemin. Je vais mettre la lumière. C'est quand même mieux. Ok. Donc là, on a l'arrivée de Cordova, du coup, au repère. Ça, je sais toujours pas comment l'ouvrir. Ah, je peux ? C'est verrouillé. Mec, en plus, c'est verrouillé de l'autre côté, en plus. Alors, concrètement, ça, c'est l'entrée du truc. Ça, j'ai toujours pas accès parce qu'il faut pirater des machins. En revanche, je vais avoir accès à de... Ça, j'ai toujours pas accès à la machin. Par contre, je vais avoir accès à de nouveaux endroits ici. Je sais pas si, par contre, je vais pas me taper une cinématique dès que je vais rentrer dans la salle des archives. Non, je pense pas. J'ai bien vu, c'était pas le cas. Alors, où est-ce que j'ai accès à un nouveau truc ici? Par là, parce qu'apparemment, je peux traverser les trucs verts maintenant. Maître Cordova a demandé une traduction d'une forme ultérieure de la locution. Et quelle forme? Le plein champ, mon frère. Curieux. Très bien. Fournissez-lui la dernière version. Je sais que cela est déplacé, mon frère, mais je voudrais que vous m'éclairiez. Pourquoi ne pouvez-vous nous répondre? Les anciens nous interdisent de partager nos rituels avec les étrangers. Décharge. Vous êtes tourmenté. Je... Les montagnes me manquent. Le ciel aussi. J'éprouve la même chose. Nous avons longtemps occulté notre nombre, mais jamais auparavant nous n'avions été aussi loin pour dissimuler notre objectif. Est-ce déshonorant de se cacher ainsi? Une question intéressante, mais sans réponse claire. Mais ce qui est clair, c'est que la prudence est foi, en notre cause et en celle de Maître Junda. Cet empire n'hésitera pas à nous détruire si jamais nous sommes découverts. C'est une belle trouvaille. Yeah. Ça doit être là depuis un bon moment. Eh ben, je m'amuse, moi, dis donc. Ok. Je pense qu'on a bien fait le tour, hein. Celle des archives est là. Ça, de toute façon, je peux toujours pas m'en servir. Que je vais faire en revanche. C'est...
c'est que je vais aller voir la meuf qui vend des trucs là. Il y a quelques créatures plutôt féroces dans le désert. En effet. Mais vous n'avez pas encore rencontré les plus féroces. Ah bon ? Ne vous approchez pas du scriton doré, jeune noble. C'est une créature ancienne et perfide. Je l'ai buté. Si vous deviez l'affronter, ne vous fiez pas à ses mouvements. Il frappe vite et plusieurs fois d'affilée. Je m'en souviendrai. Je l'ai buté. Un trésor de connaissances, jeune sage. Ah bah t'as des nouveaux trucs. Ah non, pas du tout. Et bon, on va tout prendre. C'est un bon choix. La sagesse que vous avez retrouvée est une bénédiction pour nous tous. Voilà. Et plus rien. Ah si, deux trucs. Il m'en reste deux là. Je vais prendre... Tempérance, tiens. Voilà. Cet objet vous était destiné. Tu as beaucoup voyagé. As-tu trouvé des systèmes qui échappent à l'emprise de l'Empire ? Je n'en ai croisé aucun. Il y a d'innombrables ruines disséminées partout dans le désert. L'une d'elles pourrait faire une cachette idéale pour le passage. Une fois réunis, Serré et Mérine discutent de la façon dont le passage pourrait être en sécurité sur Jeddah. On a de la chance, BD. Il est bien préservé. Maître Cordova a été élogieux sur vos contributions au dernier forum, ma sœur. C'est un érudit généreux. Mais perspicace. Ne prenons pas son estime à la légère. D'accord. Un œil. Faites toujours preuve de curiosité. Pas de compétences, on verra. En avant, BD. Je vais rester ici pour l'instant. Ok. C'est une bien belle technologie que vous avez exhumée, Cal. Ouais, je me doute bien, oui. Qui a pu créer ces appareils, selon vous ? Des Jedi. Et ils devaient être incroyablement doués. Vous déduisez tout ça juste en le regardant ? Nous mettons une grande partie de nous-mêmes dans nos machines. Elles représentent à la fois ce que nous avons de meilleur et de pire. Tu es bien plus qu'une machine, mon ami. Cal, BD, vous tombez bien. J'ai un autre site que vous pourriez explorer dans le désert sud. Je crois qu'on l'a déjà trouvé. C'était incroyable. N'est-ce pas, Maître Cordova ? Ça, c'est certain. Je suis ravi que vous ayez pu vous émerveiller autant que je l'ai fait. Ok, on se voit plus tard. Ok. Cinématique. Serré. On n'a pas pu sauver Armias. Il s'est sacrifié pour ça. Je suis désolé. Je sais que tu as fait de ton mieux, Cal. Et les impériaux ? Ils nous ont pas suivis. Hé, la ferrailleur. Content de te revoir sain et sauf. Maître Cordova, vous avez trouvé comment traverser l'abysse ? Non. Mais vous peut-être, Cal. Baud et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi une colonie sur Kobo pour étudier une anomalie stellaire du nom d'Abyss. Santarikri menait l'équipe de recherche. Ses aides à côté. Leurs premiers essais pour traverser l'Abyss furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Et devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan.
grâce aux données de son voyage, Kree a inventé les compas de l'Abysse pour guider les autres vers Tanalore. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple, comme tu l'as dit, Cal. Mais cette ère de paix et de prospérité a pris fin avec l'invasion de maraudeurs de la bordure extérieure. Moi aussi, je les ai vus, mais comment ils ont franchi l'Abysse? Ils ont dû voler un compas. Mais vous en faites pas, on sera pas aussi négligents. Tu viens de supposer, s'il te plaît, la République a abandonné Tanalore. Et le Conseil Jedi a ordonné à Kree de détruire les compas. La Gamgera a refusé et s'est rebellée contre l'ordre. C'est un Jedi. Il ne s'allie pas souvent à d'autres espèces. On dirait que Revis travaillait pour Dagan depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Donc l'ordre a envoyé des Jedi récupérer les compas. Et Dagan les a tués pour ça. Un Jedi qui tue d'autres Jedi. Sauf que Santari a dit que Dagan était la clé de Tanalore. Peut-être que oui, gaffe, t'as bugué, Cal. Malgré mes efforts, les compas que tu as rapportés sont trop endommagés. Cependant, les rapports indiquent que 3 d'entre eux sont manquants. Et vous pensez qu'on peut en retrouver un? Oui. Et Dagan a envoyé son armée les chercher. Je te demanderais bien de rester nous aider. Mais je connais cette ère. Quelle ère? L'espoir. Cette planète est un refuge pour tous ceux qui s'opposent à l'Empire. Vous seriez du voyage? Enfin, Gris peut réaménager le Mantis, pour vous tous. Non. Cet endroit a besoin de moi. Le passage a besoin de moi. Cordova? Je suis navré, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est sur Jeddah avec Ceré. Laissez-moi vous donner une clé de données pour accéder aux informations, où que ce voyage vous mène. Ne me dis rien. Tu restes aussi? Quand on s'est rencontrés, je croyais que ce qu'on partageait était unique. Des survivants, combattant ensemble contre l'Empire qui avait tué nos familles. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas seul. Et toi aussi. Mais la galaxie est pleine d'êtres vivants qui ont souffert autant que nous. Comme Ceré l'a dit, tu l'auras peut-être trouvé un sanctuaire. Peut-être. Descends. Si on arrive là-bas. Je viens avec toi. En plus, ça fait une éternité que j'ai pas eu la possibilité d'agacer Grise. J'ai rien suivi. Rendez-vous sur le Mantis, sœur de la nuit. Un appareil inventé par Santari Kree pour naviguer dans l'abysse de Kobo. Le compas utilise les coordonnées obtenues lors du vol à l'aveugle de Dagan Gera vers Tanalore. Le Conseil Jedi a ordonné la destruction de tous les compas après l'attaque des Nihil sur Tanalore, pensant qu'ils avaient dû en voler un afin de franchir l'abysse. Chercher le compas sur Kobo. Putain, faut retourner sur... Mais on va avoir que 2 planètes dans ce jeu ou c'est comment? Bon, certes, elles sont grandes, mais quand même. Lorsque le Conseil a ordonné l'abandon de Tanalore et de Kobo, Dagan Gera n'a pas pu l'accepter. Malgré les protestations de Santari, il a défié le Conseil. 200 ans plus tard, sa haine envers l'Ordre atteint son paroxysme lorsqu'il dégaine son sabre laser en jurant être l'ennemi des Jedi. Bien que Ceré reconnaisse le potentiel de la quête de Cal pour trouver Tanalore, elle décide de rester sur le Jeddah afin de superviser les archives et de protéger les fidèles Anakorets qui la servent. Cordova s'avère être un chercheur avisé. Il aide le groupe à percer le mystère de Tanalore et à trouver le chemin à travers l'abysse de Kobo. Bod et Maître Cordova sont impatients de partager leur découverte. Santari Kree avait créé un compas spécial pour naviguer dans l'abysse, permettant aux Jedi de la Haute République d'établir un temple avec un avant-poste sur Tanalore. Cependant, la planète a été envahie par les agresseurs Nihil et les Jedi ont été forcés de se replier. Par la suite, le Conseil Jedi a ordonné à Santari Kree de détruire les appareils restants. Mais selon Maître Cordova, l'un de ses compas restait introuvable. S'ils le trouvent, cela leur ouvrira la voie à travers l'abysse. Meereen comprend que Tanalore pourrait devenir un sanctuaire pour les réfugiés du passage et rejoint donc l'équipage résolu à trouver le dernier compas.
Les Nihils, une faction de maraudeurs insaisissables et impitoyables, sont devenus l'une des plus grandes menaces de l'ère de la Haute République. Capables de naviguer dans l'hyperespace d'une manière que peu peuvent égaler, ils ont semé le chaos à travers la fragile frontière de la République, lançant même une attaque surprise contre Tanalore. Face à cet ennemi unique, le Conseil Jedi a ordonné l'abandon de Tanalore et la destruction de tous les moyens d'y parvenir, préférant concentrer leurs ressources pour repousser définitivement la menace des Nihils. Est-ce que Dark Nihilus, ça vient de... ça viendrait de ça, du coup ? Il va falloir se dépêcher. Bonne chance sur Kobo, mon ami. Tu es très affecté par la mort d'Armias. Pas vous ? Si, bien sûr. Mais il n'est ni le premier ni le dernier à perdre la vie pour notre lutte. Je sais, mais... on était si proches, lui et moi, Ciri. Frère Armias a loyalement servi la cause. Et nous honorons sa vie en allant de l'avant, coûte que coûte. Qu'est-ce qui va se passer avec le refuge, maintenant ? Nous devrons attendre longtemps avant d'envoyer quelqu'un chercher ce qui reste. Cal, trouve Tanalore. Pense aux vies que nous pourrions sauver. On devrait retourner sur Kobo. J'ai besoin d'un petit moment. Plus on attend, plus ces pillards deviennent audacieux. On y va ? Kobo nous attend. Oui. Ok. De toute façon, j'ai plus rien à faire ici, moi. Bah, let's go retourner à Kobo. Ah, te voilà. Le Mantis est réglé à la perfection et prêt à partir. Alors, où on va ? On retourne sur Kobo. Il y a un compas spécial qu'il nous faut pour traverser l'abysse. Un compas ? Bon, d'accord, ça marche. Comme tu veux, petit. Oh, et Mérine vient avec nous. Hein ? Quoi ? Mérine vient avec nous ? Et pourquoi tu me l'as pas dit ? J'aurais pu ranger un peu. Ah bah bravo ! C'est trop tard pour nettoyer le Mantis, maintenant. J'espère qu'elle verra rien. Du coup, bon, on va faire un peu de bricolage. Alors, le blaster, déjà, j'ai récupéré des trucs. Ça, on avait vu. Le corps, j'ai rien. Par contre, la crosse... j'ai la crosse de Vindicateur. Qu'en soit, là, il est stylé. Matériaux, qu'est-ce que j'ai chopé ? En vrai, il est cool comme ça. Hein. J'aime bien, moi. Ah, ça va être ça. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Sérénité, c'est un nouveau ça. Pas fan de sérénité. Assemblage non plus.
Ça, j'aime bien. Faire quoi que hein. Ouais non, on va rester là-dessus hein. On va rester là-dessus. Interrupteur, du coup. Donc on a ça qui est nouveau. Un sabre très simple. Ah non, j'aime bien avec harmonie moi. Ah c'est pas mal hein. Je vais prendre ça je pense. Hein. Harmonie toujours hein. Interrupteur, on a dit justice. Émetteur, toujours justice. Et pommeau. Pommeau, on a mis tempérance. Ah, justice, c'est un look hein, quand même. Hein. Mais non, tempérance. Tempérance, il est plus stylé. Double. C'est très bien comme ça. Ensuite, BD. Alors, au niveau de tes photorécepteurs, t'as reçu des nouvelles choses, je crois. Alors, bah apparemment non. Ah non, mais putain, je suis con. Alors, t'as reçu Kaminoïen. Ouais.
Ok. Bon, ça c'est good. Ensuite. Alors, déjà ici, on va se reposer déjà. Avantage, j'en ai gagné de ouf. Alors, j'ai gagné ça. Pari risqué. Augmente le gain d'expérience, mais la restauration sera impossible après votre mort. Ça, c'est pas ouf. La santé se régénère jusqu'à un niveau minimal. Ça, c'est pas mal. Permet d'absorber un coup pendant la recharge du blaster sans être interrompu. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Bah ouais, sauf que ça me nique en fait, parce que faudrait que je gagne encore un point de... Quoique... Parce que, imaginons, la jauge de blocage est augmentée. Imaginons, j'enlève ça, et je mets ça à la place. Non, faut que je gagne encore un point, quoi. Ensuite, du coup, compétences. Alors. Je vais prendre ça et je vais mettre mon niveau de force au maximum. Semble pas trop mal. Survie, la jauge de blocage se remplit plus vite et les capsules de Steam rechargent une partie de votre jauge de force. On va prendre ça aussi. Hop. Ça, c'est au moins c'est fait. Et il me reste 3 jauges, 3 pouvoirs. On va les mettre là. Hein. Il m'en resterait un. Ok, comme ça m'en fait deux d'un coup. Ok. Et bon, on est bon. Ok. Bon bah, on va atterrir sur Kobo, puis on va voir comment ça se goupille. Puis je pense qu'on s'arrêtera là pour ce soir après. Hein. Maintenant que Meryn est avec nous, on peut peut-être passer sur Coruscant. Ah! Retourner à Coruscant? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à faire à Coruscant? Coruscant, c'est une bonne idée ça? La capitale de l'Empire. Je n'y suis jamais allé. C'est pas si mal, Coruscant. Quand on se fait pas tirer dessus. Moi, je pense que Cal est m'attirer les problèmes. Je veux juste vérifier quelques trucs, Gris. Cool, amuse-toi bien. Je reste sur le Mantis. Je vais masquer notre approche. Je me demande ce qu'on peut faire sur Coruscant, à part juste visiter les endroits qu'on n'a pas fait. Maintenant qu'on a le double saut et tout. Assieds-toi, on est arrivé. Coruscant. Surtout qu'on n'a jamais été dans la ville haute au final de Coruscant, on est toujours resté dans les quartiers bas, quoi. Contente d'être de retour? Ouais, c'est bon de voyager à nouveau. Grise est un peu nerveux dans le cockpit. Il va se réhabituer. Ça fait longtemps. J'espère. Je ne crains pas la mort, mais j'aimerais autant ne pas mourir sur le Mantis. Ce qui est compréhensible. Rien de personnel. Tous ces gens qui ne savent rien de la guerre qu'on mène. C'est peut-être mieux comme ça. Pour l'instant, peut-être. Mais ce dont cette galaxie a besoin, c'est d'une vraie révolution. Et c'est toi qui l'amènerais? Ça te plairait? Tu sais,
Je n'ai jamais cessé de combattre l'Empire. C'était un de mes passe-temps pendant mes voyages. Et si tu veux. Mary n'a pas mis longtemps à prendre ses aises dans le Mantis. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben pour commencer, elle oublie malencontreusement de faire sa vaisselle. Ça traîne là, sur la table, c'est comme si elle me disait « Allez, Grise, nettoie-moi, c'est ton boulot !» Elle leur a peut-être jeté un sort. Quoi? Elle peut faire ça? Tu devrais peut-être faire quelques corvées, BD. Les bips, ça avance pas grand-chose. Tu manges assez? Tu gardes des forces? Est-ce que j'ai l'air d'avoir maigri? Non, t'as l'air plutôt bien. Bon bah, laisse-moi me faire du souci, ok? Je te remercie, Grise. Mais... trop mignon. Je vais bien. On savait peut-être pas cuisiner comme toi, mais on a su trouver de la nourriture. Ah ouais, j'ai vu ce que Céré mangeait. Les Jedi ont une drôle de définition de nourriture. Ah, Coruscant. Si j'installais ma cantina ici, là, je me ferais des crédits. Et tu penses que les pillards du chaos sont dangereux? Ici, tu devrais te payer la protection d'un baron du crime, soudoyer les agents de la FSC, et j'en passe. Mais j'aurais un panneau lumineux avec mon nom dessus. C'est pas faux. Et l'arrière-grand-mère Pailoun serait fière. Je suis sûr qu'elle serait déjà très fière de toi, Grise. Ah, tu crois? Ah, allez, sors d'ici et fais ce que tu dois faire avant que l'Inquisitorius nous retrouve. Qu'est-ce que tu penses d'un bon ragoût ce soir? Tout le monde aime le ragoût. Tout le monde aime le ragoût. C'est marrant, Coruscant, mais on se sent vite insignifiant là-bas. Ouais, tu m'étonnes. C'est la richesse. Tous ces crédits qui coulent à flot dans les rues et qui vont dans les poches des politiciens tout en haut. La plupart des gens n'y auront jamais accès. Ils n'en ont même pas conscience. Peut-être qu'un jour, on pourra changer ça. J'ai toujours aimé cette ville. C'est l'endroit parfait pour disparaître. C'est facile de se perdre ici. Au sens propre, comme au sens figuré. On dirait que ça sent le vécu. Tu parles pour toi, c'est ça? T'imagines pas à quel point, Kestis. Y'a pas ta fille, toi, toutes ici? Ces histoires de Haute République m'ont fait réfléchir. À propos de quoi? À cette époque, les gens avaient exactement les mêmes inquiétudes que nous. Ils avaient peur de l'avenir. Et ils voulaient protéger leur famille. Les temps changent, mais... les archétypes restent. C'est bien vrai. Je me demande comment aurait été ma vie si j'avais vécu pendant la Haute République. Ok, donc là, il n'y a rien qu'à bouger. J'ai accès aux chambres ou toujours pas? J'ai toujours pas accès aux chambres de l'équipage. Bon, sortons c'est un peu. C'est ici que vous avez braqué un sénateur impérial? Ouais, et voyons un peu la gueule que ça a. J'espère que les infos qu'on lui a soutirées seront utiles. Ok, donc on a quand même des trucs à aller voir. Hein. Sans bien les blessures. Allez, ta gueule. Besoin d'un steam. On a toujours cet endroit, on sait toujours pas comment on l'ouvre. Peut-être un jour, hein, on aura de quoi faire. Hein. Je vais me TP en fait, hein. Pourquoi je me casse le cul? Je vais me téléporter. Hein. La force est avec moi. Et je suis avec la force.
Je vais me TP. Merde, j'ai pas regardé comment ça s'appelait. Allons-y. Zone de contrôle des routes aériennes. Et bah c'était celui-là. Comme ça on se finit Coruscant tranquillement. Et puis on pourra s'arrêter là pour ce soir. Ça aurait été un bon stream. Bonne grosse session, ça fait combien de temps? 7 heures que je live. C'est un peu long. Du coup, par là, en passant par ici. Mon pauvre druide bonk. C'est vrai que j'ai défoncé la sœur de l'une des sœurs ici. Salut les potes. Waouh. Voilà, calmez-vous. Un autre steam. Eh bah ben putain. Alors là j'avais pas pu y aller parce qu'il y a un bouclier. Maintenant je peux. Sérieux, à part débloquer un raccourci, y'a que chi. Ah si, t'as mené une seule en haut. Quand même. Je peux y aller là ou pas? Ça serait dommage quand même parce que ça a l'air bien stylé. C'est un jour. Couleur de Coruscant, matériaux d'armes. Ok. Ah. C'est fou quand même que j'ai jamais pensé à aller récupérer le machin.
Hop là. Ok, ensuite. Ensuite, il faudrait revenir en arrière. Alors, attends, comment on était venu déjà de base? Ça c'est fait. Ok, par là. Hop, ninja. Par là, il y avait quoi? Non, on l'avait chopé. Je sais absolument pas où tu m'emmènes, toi. Calme-toi, toi. Bim, cinématique, bam, boum. Est-ce qu'il y a d'autres trucs verts là du coup? Bah, j'en vois pas d'autres. Hein. Je pense qu'on a fait le tour là. Hein. En vrai. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais bien quand même, mais non, bah non, là c'est bon. Chemin bloqué. Non, en vrai, on a fait le tour, ça y est. Hein. Je vais essayer de remettre la main sur un. Je vais essayer de remettre la main sur un. Sur un point de TP, et puis ben, on en aura fini. Hein.
Ah oui, mais c'est que moi là, du coup, je suis un peu baisé en fait, parce que je peux pas. Il faut que je revienne en arrière en fait, parce que là, je suis baisé du coup. Parce que je peux plus revenir comme c'était avant, quoi. Ah bah je vais revenir par là-bas, je vais prendre le. Il va bien y avoir un train là. Oula. Y'a pas un filin? Si, mais il est là-haut. Se reposer, point de compétence, j'en ai deux. On va prendre ça. Hein. Oh, quoique. Une technique à un sabre. Ben voilà, t'as que chevalier depuis les airs, c'est pas beau ça. Et au saut aérien fait plus de mal. Hop, et ben on est bon. Voyage rapide vers hop le Mantis. L'appel de l'apprentissage. Wow, comment il va? Comment il va bien? On bouge. C'est bon du coup. J'arrivais à trouver un peu de kébulbe. Là, ce serait le pied. Et si j'arrivais à dénicher de la. Oh, oh oui, ce serait génial. Vas-y, Cal. Je vais rester ici et profiter de la vue. Bah, si tu veux, on a fini, meuf. Alors, nouveau trajet. Puis ben, il ne reste plus qu'à retourner sur Kobo. Kobo, parfait. Je voulais voir comment on va y aller, voir un peu la gueule de la magicienne, de la botaniste. Puis bon, ça va être là, du coup. Le Mantis a bien changé. Mais, car les bottes sont pas des maniaques de la propreté. J'ai nettoyé ce matin. Enfin, je crois. Comment on va, nickel ici. Maintenant, pour Minecraft. Et je savais pas que tu la salle des coffres avance bien. Minecraft, va falloir que je m'y refoute. Minecraft, va falloir que je m'y refoute, là, pour le coup. Et moi, pensons que Tanalor pourrait servir de refuge à ceux que l'Empire persécute. Mais ouais, il va falloir que je retourne sur le serveur, là, voir un peu la gueule qu'il a, là, quand même. Ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas foutu les pieds dessus, tu vois. Assieds-toi, Cal. Kobo, le retour. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Oh putain, cinématique. Bienvenue sur Kobo. Cal! Cal, je suis contente de te revoir! T'as raté toute l'action, c'était horrible! Qu'est-ce qui s'est passé? Les pierres nous ont encore rendu visite. Ils se sont entichés du droïde que t'avais trouvé. Zed? Ils l'ont embarqué, Cal! Sans ménagement! Zed a été enlevé! J'espère que le saloon est intact, Torgel. T'as pas intérêt à être responsable de tout ça! Je suis innocent, monsieur Grise! Promis! Dagan les a envoyés. Il veut Tanalor. Alors Zed doit être plus importante qu'on le pensait. C'est forcément lié à ces banques mémorielles. Il faut qu'on la sauve. Quand il aura ce qu'il veut, il l'enverra à la casse. Ça sera pas facile de la récupérer. La base des pillards est dans le marais. Ils ont éventré un vieux vaisseau de combat Lucerulk de la guerre des clones. On l'a vu. Ce truc a une sacrée puissance de feu. Nous aussi. Elle a raison.
c'est le moment de frapper. Je sens que ça va me plaire. Maintenant qu'ils ont ce qu'ils voulaient, ils sont dans leur forteresse et ils se croient à l'abri. Ils ne verront jamais le coup venir. Peut-être pas, mais si tu te trompes, ils chercheront à se venger. Vous inquiétez pas, je resterai ici pour protéger Grise et les autres. T'es sûr? J'ai confiance en vous deux. Mais surtout, le laisse pas nager sans surveillance. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Jolie hache. Je m'appelle Mozy. Meryn. Bon, sur ce, je pars devant. À toutes. Ok, tout le monde se barre. Super. Donc là, on va à l'assaut du Lecrulk. L'équipage retourne sur Kobo et découvre qu'en leur absence, les pillards du chaos ont attaqué l'avant-poste et enlevé Z, craignant qu'il soit mis en pièces une fois que Dagan aura découvert qu'elle ne sait rien sur le compas. Calebod décide d'aller la sauver et de lancer une offensive directement sur la base des pillards, un verso de combat Lecrulk abandonné. Ok. Le nouveau personnage, une nouvelle correction sont désormais disponibles au Pailoum. On va aller faire un tour, de toute façon. C'est tout. C'est tout. J'ai bossé sur la map, on voit tout le village. La grande map là du coup que Dadou avait fait dans la salle des coffres là du coup. Dans la salle de la carte là pour le coup. Alors, je vais aller voir. Normalement il y avait un truc qui me permettait d'accéder directement au jardin. Ouais, c'est encore, c'est là. Hop. Salut, meuf. C'est encourageant. Je parie qu'on peut en planter encore plus. Bonjour, Pili. Kobo nous a bien accueillis. Et ce toit a une énergie irrésistible. Vous avez un lien spécial avec ce jardin. Oui. On s'aide à grandir mutuellement. On dirait que vous avez déjà commencé. Les lianes? Oui, elles sont apparues dans la nuit. Mais il y a encore tant à découvrir. Si vous plantez de nouvelles graines, je pourrais vous en dire plus à leur sujet. Toutefois, évitez de trop vous éparpiller. Faites pousser les plantes qu'on a déjà, et j'agrandirai le jardin en temps voulu. Ok. Vous avez trouvé un piton gélatineux? Il a l'air fragile, mais son cœur est fibreux et résistant. Ça le stabilise. D'accord. Tu vas faire ça pour toutes les plantes, par contre? Ce coquille-fruit sera superbe une fois en fleur. Les feuilles larges permettent de garder la fine tige à l'ombre. Elle pourrait cloquer facilement sous la chaleur. Attendez que cette mousse à l'eau d'or grandisse. Observez les racines qui se dressent en dessous. Elles aident les fleurs à atteindre la lumière. On parlera plus tard. D'accord. Autant planter des graines tant qu'on y est. Chaque plante cache un secret. Et on a une nouvelle plante. Je me demande ce que Pili a à dire à son sujet. Grâce à vos soins, j'ai pu étendre notre petit jardin. Voilà, petite graine. Je vais retirer toutes les plantes qu'on a là, du coup. Tu seras mieux ailleurs. Non, parce que je vais tout planter, ce sera plus simple. Hein. Ouais, la map dans la petite maison à côté des coffres, mais tu vas avoir beaucoup de gros changements. Ouais, je pense que la prochaine fois que je vais y aller, là, je vais pas être déçu, je pense, à mon avis. Alors, Bulbe bigarré. Je crois qu'elle sera bien ici, BD. Quelle variante irait le mieux? C'est un bon endroit.
Tiens, une nouvelle espèce. Allons demander son avis à Pili. T'en penses quoi, Billy ? Ici ? Ça c'est fait. Bon, prêt pour un peu de jardinage ? Là, j'ai plus tout mettre. Je vais mettre les gros maintenant. Un bon endroit pour pousser. Je te trouverai un nouveau foyer. Ici, je vais mettre les grands d'un autre endroit. Je vais mettre les grandes là, tiens. Grâce à vous, ce jardin va être somptueux. Parfait. Je voudrais que ce soit joli. Les pitons gélatineux, je les fous de l'autre côté. On plante ça ici. J'avais jamais vu de plante comme ça. Allons voir Pili. Comme ça, là, ça pousse. Et par contre, la gare bien détruite, défaut de sauvegarde. Ouais, bah ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, du coup, il y a un bout de map qui s'est dupliqué, de ce que j'ai compris. Ici, c'est bien. On a beaucoup de possibilités. Ici, BD. Hop. Ben voilà. C'est l'heure de planter des graines. Tout est planté. Ça reste plus que ça. Et ça qui se débloquera, à mon avis, quand le reste sera bon. Il y aura bientôt plus de place dans le jardin, BD. Ben, il y a déjà plus de place dans le jardin. Plantez-en et je vous dirai ce que c'est. Le jardinage, c'est de la création. Il n'y a plus qu'à attendre que tout ça soit fleuri. Un nouveau spécimen, fascinant. Plantez-le et je vous dirai. Ok. Faisons un tour au Pailoun. Cal, Kama. Hey, Scuba. Comment est l'eau ? Ah, bien. Je voulais juste te remercier de me prêter ton aquarium. Encore plein de place pour plein de poissons. Faut faire tourner les rames. Du coup, vu qu'il n'y a plus Z, il n'y a plus sa boutique. Là, c'est de l'eau table, faudra que je m'en occupe un jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ici ? Ah, il n'est plus là, Marine. Des prospecteurs m'ont parlé d'un bâtiment étrange, avec une entrée particulière. Ça pourrait être une de ces salles de méditation. Oui, je me disais la même chose. Tu me diras si tu trouves quelque chose, hein ? Pas de problème, toi.
Salut. Profite de la musique, Cal. Dis-moi, Cal, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? C'est pas si mal. Il y a beaucoup de potentiel. Oui. Oh, avec un peu d'imagination, tout a un potentiel. Ah, je sais. Et vous, alors? Vous avez l'air de passer beaucoup de temps ici. Que j'en pense? Je vais te dire. Ce bouge enfreint une vingtaine de règles entrepreneuriales de base, se livre aux publicités les plus mensongères et est rongé par plus de moisissures que je n'ose l'imaginer. Mais il sert à boire et ne ferme pas ses portes quand les pillards du chaos débarquent en ville. C'est le seul établissement de Skyou dont on peut en dire autant. Une autre fois. Bonjour, Toulact. Votre voix mène du cœur de la tempête jusque dans les entrailles de la tempête. Oui, je sais. Quel mal vous ronge, étranger. Je me demande seulement comment les choses auraient tourné si j'avais pu les empêcher de prendre Z. L'omniscience compte-t-elle au nombre de vos pouvoirs? Non, mais... N'aspirez qu'à ce que vous souhaitez atteindre, pas à ce que vous auriez voulu. Le regret est un mirage qui en a perdu plus d'un. Mmh. Le moment est mal choisi pour parler. C'est une sœur de la nuit, là, à côté de la palefrenière super baraquée? Elle s'appelle Mérine. Oh, j'aimerais bien voir un assassin de Datomir en action. Tu crois qu'elle serait intéressée par notre affaire? Pourquoi tu lui demandes pas toi-même? Peut-être. Dans cette galaxie, soit t'es chasseur, soit tu es proie. Ce serait pas mal si cette sœur de la nuit t'aidait. Allez, remue-toi un peu. Les primes vont pas se chasser toutes seules. D'ailleurs, est-ce que j'ai chopé d'autres trucs? Je vais jeter un œil. Non, j'ai toujours rien. J'ai toujours rien. J'ai entendu dire que Beau des Toits allait affronter les pillards. Je te confirme. Les rumeurs vont vite par ici. Un puissant guerrier et son acolyte au blaster lançant un assaut audacieux sur la forteresse des pillards pour sauver leurs camarades droïdes. Ouais, Zed a de la chance de t'avoir comme ami. Hé là. Hé, hey, on pensait brancher des noyaux énergétiques tout neufs dans les barrages de la gorge déterrée. Voir si on peut les faire fonctionner à nouveau. C'est pas une mauvaise idée. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? Grâce à un vieil ami, un super ingénieur. Et il avait un sourire à tomber en plus. Ça, c'est clair. Ça avait l'air d'être un bon ami. C'est ce qu'on croyait, mais le gars nous a arnaqué sur notre part après une grosse prise. Du coup, Grock a peut-être laissé une petite note anonyme aux autorités. Ouais. C'est comme ça que vous traitez tous vos amis? T'inquiète donc pas, Cal. Les vrais amis comme toi ont pas à s'en faire. Ouais. Le problème des pillards empire de jour en jour par ici. Ils ont un nouveau chef. Pas étonnant qu'ils soient plus téméraires. Ah, oh, c'est pour ça que les primes de risque existent. On peut pas y faire grand chose, hein. Continue de parler comme ça et on va mourir tous les deux. Ah ouais? Bah, demandons-lui. Qu'est-ce que tu proposes de faire, Cal? Éviter les pillards ou quitter la planète, c'est pour éviter les pillards. Vous devriez éviter les pillards. Ferrailler, c'est dangereux, mais ils le sont encore plus. Le gamin a raison, Dana. Faut plus bosser sur leur territoire. C'est trop risqué avec ces pillards. Ah, je vais pas me laisser intimider par des idiots arrogants. C'est la méthode des ferrailleurs. On prend tout ce qu'a de la valeur. En espérant que ça soutienne pas tout le reste. Je sais. Mais vous sous-estimez les pillards. On est arrivé jusqu'ici. Il est hors de question que j'abandonne. Nous. Pardon. Que nous abandonnions maintenant. On se verra quand on se verra. À la prochaine, mon pote. Ok. Hey, Monk. C'est bon de te voir, Cal. Hey, Cal, j'ai des infos qui pourraient être utiles. Allez, balance. Salut, Monk. Il paraît que t'as l'intention d'aller sauver mon nouveau droïde préféré. Ouais, c'est le plan. Avant que tu fonces là-dedans comme un meudorn dans une ferme hydroponique, laisse-moi t'exposer la situation. La base des pillards se trouve dans la carcasse d'un vaisseau de combat Luke Hulk. T'en as déjà vu? Une ou deux fois. Alors tu sais à quel point ces trucs sont dangereux. Il s'est peut-être écrasé, mais ce vaisseau reste bourré de tourelles de défense et de droïdes de combat reprogrammés. Comment tu sais tout ça? Je lis beaucoup. Écoute, sauve Zed et barrez-vous avant que leur petite armée vous tombe dessus. Merci du conseil, Monk. Fais attention à toi. Bon, je sais que t'as pas que ça à faire, mais j'ai une cliente qui est partie dans le marais. Et personne ne l'a revue depuis. Ne me dis pas qu'elle cherche à retrouver Z. C'est probable.
Et on sait tous les deux que ça grouille de pillards là-bas. Je vais aller voir. Merci, on se sentira mieux. Zig est quelqu'un de bien. J'espère que t'arriveras à récupérer Zed, ce vieux droïde de Zig recherche dans les de l'ambiance Zig, dans le salon. Ça parle. À plus tard, Mank. Merci de rester ici pendant qu'on va chercher Zed. Si les pillards reviennent, on leur fera regretter. Je crois qu'on va bien s'entendre. Je le pense aussi. Vas-y, Cal. Zed a besoin de toi. Tu vas me parler, toi ? T'as entendu parler du mogu qui traîne autour du marais ? Il y a un mogu là-bas ? Ouais. Et celui-là, c'est un sacré morceau. Il peut te casser les bras comme des bâtonnets de puerco. On verra ça. Eh ben, si t'es assez fou pour le tenter, t'as plutôt intérêt à éviter ces lancers de boue. Bon conseil. À plus. Éliminer la terreur des marais. Je sais que les choses sont assez difficiles en ce moment, mais pense au bon vieux temps. Tu te souviens de ce qu'on a vécu sur Datomir ? Sur Kashyyyk ? C'est pas passé loin. Mais maintenant, c'est encore plus dangereux. Je me demande comment on sera quand tout ça sera fini. À supposer qu'on survive à tout ça. Je m'occupe de faire tourner la boutique. Ok. Je vais aller faire un tour chez Doma. Salut. Salut, ma belle. Je sens une présence fétide. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette merde ? Je peux y arriver. C'est quoi cette merde ? Oh putain, deux comme ça ? Oh, je suis dans la merde ! Ah, le bâtard. Je vais recommencer dedans ou pas ? Je me demande si avec du coup le... Il manque encore quelque chose. Ouais, il va falloir que je me renforce encore un peu. Cal, qui est cette femme qui t'accompagnait ? Mérine ? C'est une bonne amie. Y a un souci ? Non, du tout. Vous avez peur de Mérine ? Moi ? Non, non. C'est juste que je n'ai jamais vu quelqu'un comme elle. Mérine est une sœur de la nuit. Une sœur de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Elle vient de Datomir. Et elle sait manier la magie. Oh, par mes oreilles de Waluna, c'est une plaisanterie. Pas du tout. Elle peut réveiller les morts. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Cal ! Si jamais les morts se mettent en marche par ici, tu vas t'en mordre les doigts, Cal. Oui, effectivement, faudrait pas. Pas mal ce que tu proposes. Du coup, j'ai 16 éclats de priorite. Je vais acheter les sons déjà. C'est bon,
Quand une bonne affaire se présente, tu sais la reconnaître. On se voit plus tard. Bon, bah ça déjà c'est fait. Du coup... Là, il y a plein d'endroits où je peux pas encore aller. En revanche, il y a plein d'endroits maintenant où je peux aller. On a des rumeurs de partout. Et la quête principale, c'était au point de départ c'était au point de départ d'avant. Donc c'était là. Mais sinon, j'ai des rumeurs de partout qui viennent de se mettre en place. Donc, prochain live, on va s'amuser. Et on ira du coup finaliser Kobo. Et s'attaquer au Lucrulk. Bon, bah sur ce. Merci à ceux qui sont encore là, ça fait plaisir. Moi je vous laisse là. Peut-être qu'on restreamera dans le week-end, je sais pas trop. Sinon, ça sera la semaine prochaine. De toute façon, le 26, il y aura... Tu me diras quand tu joueras à Minecraft, ouais, pas de soucis. De toute façon, je pense qu'à mon avis, si je me mets sur Minecraft, gros, je serai sur Discord. Hein, donc, je veux ta réaction en direct, ça marche. On verra un message, du coup, si tu veux, pour jouer à Insta. Je t'enverrai un message sur Insta, du coup, pour te dire quand est-ce que je jouerai. Et puis, de toute façon, si je restream pas d'ici là, je restreamerai le 26, parce que le 26, j'ai un petit live sponsor. Donc, ça va être cool. Sur ce, la bonne soirée. Hydratez-vous, c'est important. Et puis, on se voit.